del cielo, Señor, que no vayamos, Señor, como hemos venido, Señor, en el nombre poderoso y glorioso de tu Hijo, el Cristo de la gloria. Amén y amén. Amén. Santo eres. No, Señor. Amén. Alors, on ne peut pas parler de l'enseignement pour s'instruire. Parce que beaucoup de chrétiens aiment un cadre pour parler des messages pour s'instruire. Sur l'Apocalypse, sur l'île de Daniel, sur Zacharie, sur les visions, etc. C'est bien, je ne suis pas contre. Mais ce soir, c'est un message, écoutez bien, pour le cœur. D'accord ? C'est pour le cœur. Bénis au Seigneur, bénis au Seigneur. Vous allez voir, ça sera très facile à comprendre, mais très difficile à vivre. Vous avez compris ? Très facile à comprendre, à saisir, mais très difficile à accepter et à être d'accord. D'accord ? Parce qu'il s'agit du cœur. On a besoin que notre cœur change, même si on est chrétien. Même si on est des anciens dans la vie chrétienne, bien des fois, on a besoin de changer, de comprendre qu'il faut changer. Parce qu'on n'est pas parfait. Vous savez, la vie chrétienne, toute la vie chrétienne est une vie de formation. On a besoin d'être formé. On a besoin de progresser, de grandir dans les choses de Dieu. Bendito sea nombre del Señor, Dieu est sur toute la gloire. Si on n'est pas d'accord d'être repris par la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on a compris? Si on ne veut pas grandir, qu'est-ce qu'on a compris? Si on ne veut pas aller plus loin avec Dieu, qu'est-ce qu'on a compris? Parce que écoutez bien. Dans notre vie, dans notre intérieur, il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne capte pas. Vous avez compris? Un cœur, les anges ne peuvent pas le sonder. Le diable ne peut pas sonder un cœur. Les humains non plus, la médecine non plus. La personne elle-même ne peut pas sonder son cœur. La personne elle-même, elle ne peut pas sonder son cœur. Il n'y a que Dieu qui peut sonder un cœur. Il n'y a que Dieu. C'est tout. Amen. Bénis ton Seigneur. Donc, je dis ça pour faire comprendre que même ton cœur, tu ne connais pas. Tu connais certaines choses, mais il y a des coins dans ton cœur que tu ne les vois pas. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et le seul qui peut te montrer ce qu'il y a de mauvais dans ton cœur, c'est Jésus. Car il a dit, je sonde les cœurs et les têtes. Bénis ton Seigneur, bénis ton Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. Et pour ça, on va lire dans l'Apocalypse. Chapitre 2 et verset 18. Chapitre 2, verset 18. Alors, ce qu'on parle ici, c'est le travail de toute une vie. D'accord? Mais c'est le travail de Dieu, c'est pas le travail à nous. C'est pas la femme qui doit dire au mari, tu dois faire comme ça, c'est pas le mari qui doit dire à la femme, tu dois faire comme ça, ni l'un ni l'autre. C'est Jésus qui doit agir. Amen. Car le cœur, il n'y a que Dieu qui peut le sonder. Donc, c'est son domaine, c'est son travail. Et c'est le travail de toute une vie. Quand on croit que tout va bien dans notre vie chrétienne, et bien il y a encore des choses qu'on ne voit pas, qu'on n'aperçoit pas. Et si la lumière de Dieu n'éclaire pas notre cœur, on ne le voit pas. D'accord? Et Dieu permet des circonstances, des épreuves, des situations, pour que nous puissions voir par la lumière de l'Évangile qu'à nous, il y a encore des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Bénis au Seigneur et au Seigneur. Et je vais vous donner un exemple. J'ai pris ce feuille, je l'ai fait une fois il y a des années, et je vais essayer de le faire encore une fois, d'accord? Et ça, je vais prendre l'exemple sur moi, d'accord? Voilà. Imaginez-vous que ça, c'est un problème qu'il y a dans mon cœur et qui est désagréable à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu. D'accord? Et Dieu va me reprendre. Et Dieu va m'éclairer par l'évangile. D'accord? Mais Dieu ne me le dira pas tant que son temps à lui ne vient pas. Il faut un temps. D'accord? Quand Dieu agit en son temps et en son temps, moi je serai prêt. Et Dieu sait quand mon cœur est prêt à comprendre et à accepter, car Dieu ne parle pas pour parler. Alors, au temps de Dieu, Dieu va m'éclairer, il va me dire, voilà, foi dans ton cœur, il y a cette feuille blanche qui me déplaît et qui t'empêchera tout le temps de vivre l'évangile, de grandir, de progresser, d'aller loin avec Dieu, ça va t'empêcher. Vous comprenez ça? Alors, moi, je dis, Seigneur, c'est vrai, tu as raison. Alors, je vais faire comme ça et je vais enlever la feuille blanche. Mais derrière la feuille blanche, il y a encore une feuille rose. Et cette feuille empêche
et m'empêche de voir la feuille grosse qu'il y a derrière. Vous avez compris ça? C'est le travail de toute une vie. Le temps va passer, les années vont passer. Après, l'évangile va éclairer dans l'intérieur, et il va me dire, son temps est venu, il y a quelque chose en toi qui t'empêche de continuer à vivre la vie chrétienne. Et je me le rends compte, je dis, c'est vrai, Seigneur, quand moi, il y a quelque chose qui m'empêche, je reconnais, parce que Dieu me l'a dit. Alors, je vais faire comme ça, je vais ôter. Et la feuille rose empêche de voir la feuille verte. Vous avez compris? C'est le travail de toute une vie. Pour ces deux feuilles, il a fallu peut-être 5 ans, mais c'est après la nature. Le temps va passer, et Dieu va revenir encore dans une prédication, un message de Dieu, tu vas me dire, encore il y a la feuille verte. Si tu n'allais pas, ça va t'empêcher à continuer la vie chrétienne, à progresser, à grandir, à saisir, à comprendre. Alors je comprenais, j'allais à la feuille verte. Il y avait la feuille verte et la feuille jaune. Vous avez compris? Il y a tout le temps quelque chose en nous qui déplaît à Dieu, qui empêche Dieu d'agir dans nos vies et qui nous empêche à nous de marcher avec Dieu, de mettre en pratique l'évangile. Vous comprenez ça? De dire au Seigneur, le temps passe, je reviens et me dis, voilà, il y a encore une chose qui me déplaît. Et qui t'empêche? C'est vrai, Seigneur, je reconnais. J'allais à la fin jaune et après à la fin rouge. Et toute la vie, ça sera comme ça. Toute la vie chrétienne. Tu peux vivre 950 ans comme Noé, et pendant 950 ans, ça sera comme ça. Parce que ton cœur, tu ne connais pas. T'as vu la petite feuille rouge où elle était? Il y avait plein de feuilles qui l'attachaient. Et pour arriver à la feuille rouge, il a fallu des années, des années, des années. Vous comprenez ça? C'est pour ça que j'ai dit au début, même nous, les chrétiens, on a besoin de changer. On a besoin de changer. Amen. Bien, 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 bien. Et voilà. Le seul qui connaît le cœur. Écrit à l'âme de l'Église, de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Lui, il voit la feuille blanche jusqu'à la feuille rouge. Rien ne lui est caché. Rien. Absolument rien. Mais nous-mêmes, c'est notre cœur et on ne voit pas ce qu'il y a dans notre cœur. On voit à fond de la noix. On ne voit pas les profondeurs du cœur. Il n'y a que Dieu qui peut éclairer le cœur. Mais dites ça, comme le Seigneur a dit, et ça, c'est la loi. Et maintenant, je vais vous parler de l'apôtre Pierre. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait parlé de Cornette, qui était l'exemple pour nous, étant lui un païen, c'était l'exemple pour nous. Maintenant, on va parler de Pierre. Alors, Pierre, lui, écoutez bien, il a vécu 3 ans avec Jésus. Pendant les 3 ans, il a entendu l'évangile. Il a vu des miracles, il a vu Jésus en personne. Il a compris certaines choses. Donc, on peut dire, au bout de 3 ans, ça y est, il est formé, il est prêt. Il n'a plus rien à faire. C'est Jésus lui-même en personne qui l'a travaillé, qui l'a formé. Et pendant ces 3 ans, écoutez bien, en lui, il y a une petite feuille cachée qui ne le voit pas. Il ne le voit pas, lui. Il ne voit pas cette petite feuille cachée là. Jésus la voit, mais ce n'est pas le temps de Dieu. Dieu attend. Dieu attend de lui dire. Vous comprenez ça? Jésus l'a dit, si moi je te ferai pécheur, donc je te ferai avec le temps. Mais dites au Seigneur, Seigneur. Mais Jésus voyait qu'à lui, il y avait la petite feuille qui va le gêner à devenir pécheur d'homme. Et pour ça, il faut le travail. Il faut le travail, il faut le former, il faut le préparer. Et pendant ces 3 ans-là, à lui, il y a quelque chose qui va l'empêcher dans l'avenir. Pas dans le présent, mais dans l'avenir, ça va l'empêcher. Alors Jésus attend l'avenir. Allez, le temps voulu, l'heure de Dieu, pour lui dire qu'à lui, il y a quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu. Amen. 3 ans comme ça. Et au bout de 3 ans, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus monte au ciel. Et maintenant, on prend les actes des apôtres. Chapitre 1, versets 9 et 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé. Non. Non, peut-être que j'ai 9. 1, 9. Acte 1, 9. Non, pas. Non, t'as l'air là. Si, sans gagnant.
Bon, c'est pas grave. Acte 1, 9 et verset 10, c'est lorsque Jésus va ressusciter, 40 jours après, il va monter au ciel, écoutez bien, et quand il monte au ciel, Pierre a vu l'ascension de Jésus. D'accord ? Il a vu qu'il est monté, les anges sont apparus, les anges ont dit, pourquoi vous vous arrêtez à regarder au ciel de la même façon qu'il est parti, il reviendra. D'accord ? Donc c'est un privilège quand même. Il a vu Jésus monter au ciel sous une nuée. C'est glorieux de voir ça. Mais quand même, à lui, il y a quelque chose qui n'est pas à vivre. Et cette chose ne l'a pas empêché de voir la gloire de Jésus. Alors ça dit par là, si on est utile, si je prêche bien soi-disant, c'est pas la raison que tout va bien dans mon cœur. C'est pas parce que tu es guéri que tu es parfait. C'est pas parce que Dieu t'a béni, t'a fait ressentir sa présence que tout va bien dans ton cœur. Vous avez compris ça? Amen. Pierre a vu la gloire de Jésus et c'est pas pour ça que dans son cœur tout allait bien. Si on prend Acte chapitre 2, verset 4. Acte 2, 4. Tu vois? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Là, il y a Pierre. Maintenant, Pierre, Jésus n'est plus là, mais maintenant, il y a le Saint-Esprit. Pierre reçoit le Saint-Esprit et se met à parler dans d'autres langues. C'est quand même un privilège, non? Alors, c'est pas parce qu'on parle la langue que tout va bien là-dedans. C'est pas parce qu'on parle la langue qu'il n'y a aucune feuille qui gêne Dieu. Vous avez compris ça? C'est pas parce qu'on chante bien, qu'on prêche bien, qu'on parle en langue, qu'on prophétise, qu'on est des superchrétiens. Vous avez compris ça? Donc, en Pierre, il y a quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, que plus tard ça va l'empêcher. Mais pour le moment, ça n'empêche pas de voir la gloire, d'être rempli du Saint-Esprit, je vous le dis. Acte 2, 14. 2, 14. Alors Pierre se présenta avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Il va prêcher la parole. Il est rempli du Saint-Esprit et maintenant il se met à prêcher l'évangile, la parole de Dieu. Et c'est pas parce qu'on prêche la parole de Dieu que ça y est que tout va bien. Que mon cœur est agréable en Jésus. Au présent, d'accord, mais pour l'avenir, il y a quelque chose qui va m'empêcher, qui va gêner ma vie chrétienne. Pour le moment, d'accord, mais lorsque le temps de Dieu viendra, c'est là que je les vois. Et je me dis, Seigneur, tant d'années, ceci était à moi. Vous avez compris ça? Rappelez-vous lorsque Pierre a renié Jésus. À ce moment-là, il s'est rendu compte qu'en lui, il y avait quelque chose qui déplaisait à Dieu. Mais pendant les 3 ans qu'il était avec lui, qu'il a vu les merveilles de Dieu, il ne s'est pas rendu compte qu'en lui, il y avait une faiblesse. C'était la confiance en lui-même, même si tous l'abandonneraient. Moi, je ne l'abandonnerai jamais. Il était trop fier. Et cette fierté l'a fait renier Jésus. Vous avez compris ça? Dieu permet des circonstances, des situations, pour que nous puissions nous rendre compte en réalité ce que nous sommes. Amen. En fait, personne ne se glorifie. Bendit soit le Seigneur, le Seigneur a dit, et sorti de joie. Verset 41, 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3 millions. Pierre va prêcher la parole de Dieu, 3 millions sont convertis. C'est merveilleux, si vous voulez. Un tel homme ne peut pas avoir quelque chose dans son cœur qui est plaît à Dieu. Si vous voulez, il n'est pas question d'un péché, il est question de quelque chose qui gêne l'évangile, qui prend une place que Dieu ne veut pas. Dieu veut toute la place dans son cœur. Et même Pierre ne se rend pas compte qu'à lui, il y a quelque chose qui va gêner. Même lui ne se rend pas compte. Rappelez-vous la première feuille, elle est blanche. Eh bien, des fois, bien à nous, il y a des choses, et on dit, bon, normal, c'est blanc. Vous comprenez? Normal, ça veut dire que c'est blanc. Mais derrière le blanc, il y a toutes les autres couleurs. Vous comprenez ça? Donc, il va prêcher la parole, 3 000 âmes se convertir,
c'est beau, c'est merveilleux. Un tel homme doit avoir une terre agréable à Dieu. Si ou non, dans le chapitre 3, versets 6 et 7. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever, et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Il a guéri un boiteux de naissance. Si on prie pour un malade, et le malade est guéri, on peut dire, oh, je suis quand même quelqu'un, non? Je suis quand même un homme de Dieu. J'ai quand même une vie agréable à Dieu. Je suis quand même utile entre la main de Dieu. Mais c'est une grâce. Si Dieu a utilisé Pierre, ce n'est pas pour les mérites de Pierre, c'est parce que le boiteux avait besoin de la grâce de Dieu. Amen. Si Dieu va l'utiliser pour prêcher la parole, ce n'est pas par mes mérites, c'est parce que vous avez besoin de la parole de Dieu. Amen. C'est tout. Bénis le Seigneur, donnez le Seigneur la vie sur toutes les doigts. Vous allez au pas vite. On prend chapitre 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, de dire que c'est le nom du Seigneur. C'est ça, c'est 4 8 qui sont. C'est ça. Alors, c'est moi qui me suis trompé. 5-3. Non. Normalement, c'est au chapitre 4, ils sont persécutés. Ils sont mis en prison. Et là, l'apôtre Pierre est rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas, peut-être c'est du 18 à l'autre. Il est rempli du Saint-Esprit au sein de la persécution. Donc, prenez ça. Il est persécuté, il est frappé par les hommes, il est mis en prison, et quand il sort de la prison, il est rempli du Saint-Esprit. Il ne baisse pas les bras, il n'est pas découragé, il ne se plaint pas. Un tel homme doit avoir un cœur quand même à terre. Alors Dieu, si vous le dites au Seigneur de le ciel, et bien quand même, il y a la petite feuille rouge là qui est cachée, par la blanche. Vous avez compris ça? Il y a quelque chose dans son cœur qui ne gêne pas pour le moment, mais que plus tard ça va gêner. Et que tout le temps, il faut l'ôter, il faut l'enlever. Bendito sea el nombre del Señor, la vie est sur toutes les doigts. Cinq fois. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Cet homme, Ananias et sa femme ont trompé l'apôtre Pierre. Pierre, sans rien savoir, reçoit la révélation que cet homme a menti et que cet homme a volé. C'est l'homme de Dieu, quand même, non? Il a reçu la révélation, ça lui a été révélé. Mais la petite feuille rouge, ça n'empêche pas pour le moment. Pour le moment, ça n'empêche pas, c'est plus tard que ça va empêcher. Vous comprenez ça? Rappelez-vous au chapitre 1. C'est avec les juifs que ça marche. Chapitre 2, c'est avec les juifs. 3, 4, 5, c'est avec les juifs. Jusqu'au chapitre 9, c'est avec les juifs que Pierre a des relations. Après, ça va changer. Après, c'est Pierre avec les juifs. Et c'est là où la feuille rouge, là, elle va apparaître. Mais dites que c'est le nom de Seigneur, la vie, est sorti maintenant. Regardez. Chapitre 6, chapitre 7, c'est l'histoire d'Étienne. On passe au chapitre 8, verset 23. Car je vois que tu es dans un ciel amer et dans les liens de l'iniquité. Là, c'est Simon le magicien qui voulait acheter le don du Saint-Esprit, de parler à l'âme. Il voulait l'acheter. Et Pierre reçoit la révélation que cet homme est dans les liens de l'iniquité, qui vit dans le péché. Dieu lui a révélé l'état de son cœur, de cet homme-là. Et pour recevoir une telle révélation, il faut être l'homme de Dieu. Sinon, alors si Pierre avait une petite feuille rouge là, cachée, la plus forte des hommes, pas moi. Si l'apôtre avait une petite feuille rouge cachée, à plus forte des hommes, toi et moi. Vous comprenez ça? Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, la vie est sur toutes les voies. Je m'admire. Chapitre 9, verset 34. 9, 34. Pierre lui dit, aîné, ça veut dire louange. Jésus-Christ te guérit, lève-toi, arrange ton lit, et aussitôt il se leva. C'est encore un paralytique qui était paralysé pendant 8 ans. Pierre lui a prié,
Et le paralytique a commencé à marcher. Bendito sea el nombre del Señor. El que el hombre ha pas besoin de dire, Seigneur, est-ce que ma vie est agréable à Dieu, est-ce que ma vie te plaît, avec tous les merveilles qu'il fait. Et les merveilles ont dit que ça prouve que son cœur est complètement parfait, agréable à Dieu. Eh bien non. C'est pas ça. Jusqu'à présent, c'est du positif. Vous avez compris ça? Le positif qui arrive dans ta vie, une guérison, une bénédiction, une révélation, une vision, un songe, tout ça ne pourra jamais révéler, faire ressortir le négatif qu'il y a dans ta vie. Jamais. Vous avez compris ça? Imagine-toi. Je parle, Michel. Je n'ai pas, je parle. Tu peux voir Michel, il est malade. Et tu le gardes. Et tu vas prier pendant un mois, deux mois, six mois. Et Dieu ne répond pas, et Dieu ne le guérit pas. Que va-t-il faire? C'est vrai, l'aura. Il va douter. Il va se révéler contre Dieu. Il va s'énerver un peu. Il va se décourager. Il va dire, à quoi ça sert de prier autant? À quoi ça sert de jeûner? Je prie, je prie, je prie, et il n'y a rien qui se passe. Mais maintenant, s'il prie et qu'il est guéri, cette réaction, il ne l'a pas. Vous avez compris? Cette réaction négative, il ne l'a pas. Donc le positif que Dieu a opéré en lui, la guérison, ne peut pas révéler le négatif qu'il y a en lui. Si Dieu ne guérit pas et que Dieu met du temps, alors c'est du négatif pour lui. Et ce négatif va révéler ce qu'il y a en vérité. Il va douter, il va s'énerver, il va baisser les bras, il va dire à quoi ça sert de prier. Mais la vérité, c'est ce qu'il est. Vous avez compris ça? Amen. En réalité, c'est ce que nous sommes. On est trop gentil, trop spirituel, trop sage, et lorsque le pasteur nous reprend, on démontre la réalité qu'on est. Vous avez compris ça? Mais lorsque le pasteur va nous louer, il nous dira vous êtes des super chrétiens, vous êtes bien, vous êtes ci, vous êtes ça, ça ne fera jamais ressortir le négatif qu'il y a en nous. Jamais. Vous comprenez ça, le titre de ce le Seigneur l'a dit, le sorti de noir. Regardez chapitre 9, verset 40. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps. Il dit Tabitha, qui veut dire gazelle. Ça veut dire qu'elle était mince. D'accord? Il dit Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et il y a vu Pierre, elle s'assit. Tabitha est morte. On appelle Dorca et Tabitha, ça me dit Gazelle, ça me dit la même chose. On appelle Pierre qui a jeté, il vient, il prie pour elle, et Tabitha est ressuscité. Ressuscité au mort, quand même, Seigneur Jésus. Mais quand même, en ressuscitant le mort, il y a quand même la petite feuille rouge dans son cœur. Vous avez compris ça? C'est pas parce qu'on fait des belles œuvres, des grandes choses, des merveilles, que dans notre cœur, tout va bien, tout est parfait, et qu'il n'y a plus rien à faire. Dieu n'a plus rien à faire dans notre vie. En question, formation, préparation, tout est parfait dans notre vie. Non, jamais, 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 jamais. Dans notre cœur, il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y en aura jusqu'à la fin de notre vie. Il y aura toujours des choses que nous devons manquer. Ça ne touche pas le salut, ça ne t'empêche pas d'être sauvé. Mais avec le temps, ça t'empêchera de continuer à vivre avec Dieu. Ça t'empêchera de marcher avec Dieu. Ça t'empêchera de servir Dieu. Vous avez compris ça? Bendito sea el nombre del Señor, la vie est sortie de moi. Donc on a dit qu'avec toutes ces grandes choses que Pierre a fait du chapitre 1 au chapitre 9, tout ce que Pierre a fait, bendito sea el nombre del Señor. Ce sont des grandes choses, ce sont des merveilles, ce sont des choses glorieuses que Pierre a faites, mais tout cela ne prouve pas, mais alors pas du tout, que dans son cœur il n'y a plus de formation offerte. Qu'il a le cœur parfait. C'est pas ça. Bendito sea el nombre del Señor. Avec toutes ces grandes choses, j'ai marqué, il ne savait pas Pierre, il ne savait pas, après avoir fait toutes ces choses-là, il ne savait pas Pierre que dans son cœur, il restait encore une petite feuille rouge. Il ne la voyait pas. Et qu'est-ce qu'on a dit au début? Le seul qui sonde le cœur, c'est Dieu. Nous-mêmes, notre propre cœur, on est incapable de le sonder. Parce que pour sonder le cœur, il faut être Dieu, tout simplement. Il faut être Dieu.
On connaît certaines choses, la surface du cœur, mais pas les profondeurs du cœur. Parce que la Bible dit, le cœur est un puits sans fond. Sans fond. Mais dites que ce nom de Seigneur, la nuit est sorti de noir. Donc lui-même ne voyait pas cette petite feuille rouge, il ne la voyait pas. Et dites bien, pour lui, c'était normal, c'était naturel. Ça faisait partie de son peuple, parce que depuis sa naissance, Pierre a reçu de la part de ses parents, de sa famille et de son peuple, on lui a inculqué quelque chose. 3 ans et demi avec Jésus, il vivait avec ça. Lorsque Jésus est mort, ressuscité, monté au ciel, le Saint-Esprit est ça. Il est apôtre, il évangélise, il ressuscite les morts, il sort des âmes, il guérit des malades. Et dites au Seigneur de Dieu. Il a besoin de la grâce de Dieu. Il a besoin de la grâce de Dieu. Avec tout ce qu'il a dit, avec tout ce qu'il a reçu, eh bien, il a besoin de la grâce de Dieu. Bendito sea el nombre del Señor, la Biblia est sortie de toi. On lui a inculqué tout ça. Et là, il est là, il est dans son cœur. Pierre, c'est un juif. Et nous, les visitants. C'est vrai. Et depuis notre enfance, nous aussi, on nous a inculqué certaines choses. Et ils sont là. Et on fait passer certaines choses des fois avant Dieu. Et bien des choses dans la vie de Pierre, dans notre vie, empêchent Dieu d'agir, Dieu de venir. Mais dites au Seigneur, que Dieu nous fasse comprendre ces choses, c'est très, 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 très important. Et comme je vous ai dit, le positif ne pourra jamais, 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 jamais faire ressortir le négatif qu'il y a en nous. Le positif qu'on reçoit ne nous montrera jamais la petite feuille rouge. Jamais. Il n'y a que le négatif. Mais dites au Seigneur, mais le Seigneur, la vie est sortie de moi. Écoutez bien ceci maintenant. On prend Marc 16, 15. Regardez ce que Jésus a dit à Pierre de nos apôtres. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça, Pierre, il ne peut pas le vivre, il ne peut pas le mettre en pratique, à cause de la petite feuille rouge. On prend maintenant acte 1-8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit se venant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, oui, il peut. Dans toute la Judée, il peut. Dans la Samarie, il peut. Jusqu'aux extrémités de la terre, il ne peut pas. Jérusalem, c'est des juifs. Judée, c'est des juifs. En Samarie, il y a des juifs. Mais jusqu'aux extrémités de la terre, et dans le monde entier, dans toute la création, ça, il ne peut pas le faire. À cause de la petite feuille rouge. Il ne peut pas le faire. Pendant les 3 ans qu'il y avait Jésus, ça ne l'a pas empêché parce que ça, ce n'est pas venu encore. D'accord? Et ça, c'est la mission que Jésus a donnée à l'Église et aux apôtres. Mais cette mission-là, Pierre ne peut pas la réaliser, ne peut pas l'accomplir. Ces deux versets ne peuvent pas s'accomplir dans sa vie à cause de la petite feuille rouge. Regardez. Marc 1, 17. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Luc 5, 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée. Les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Mais ça, Pierre, il ne peut pas le mettre en pratique. Il ne peut pas devenir un pêcheur d'hommes. Jésus n'a pas dit un pêcheur de juifs. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre. Il a dit un pêcheur d'hommes. Il a dit à toute la création. Il a dit jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire qu'il faut sortir d'Israël. Il faut sortir de Jérusalem. Et à cause de cette petite feuille rouge, il ne peut pas. Il n'arrive pas. Et au bout de tant d'années, la petite feuille rouge est toujours là. Elle est tout le temps présente. Bendit au Seigneur des Seigneurs, la vie est sortie de moi. Alors, si on prend acte. Je ne sais si tu es là ou c'est possible. Acte 14, 27. Ouais. Mais pas notre seul. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église. Et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et comment ils avaient, ça c'est Dieu, ils avaient ouvert aux nations, pas aux juifs, aux nations, la porte de la foi. Amen. Amen.
Mais pour que Dieu puisse ouvrir la porte de la foi, il faut enlever la petite feuille rouge. Vous avez compris ça? Maintenant, on prend Apocalypse 3, 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le 7, le véritable, celui qui a la clé de la Bible, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. La porte du salut, la porte de la foi était fermée. Et la petite feuille rouge empêchée à la porte de s'ouvrir. Il faut que Jésus qui a la clé tourne la clé. Et tourner la clé, c'est travailler le cœur de Pierre. C'est travailler les apôtres pour qu'ils comprennent qu'il faut aller plus loin qu'Israël, plus loin que Jérusalem. Bendit soit le nom du Seigneur. Et en eux, il y avait quelque chose qui les empêchait d'aller plus loin. Il y avait quelque chose qui les empêchait de passer la porte, d'ouvrir la porte. Ils ont été jusqu'au chapitre 9. Mais pour arriver plus loin, il faut ouvrir la porte. Et on l'ouvrira Jésus. Ça vous va? Amen. Non, vous restez avec la vie, c'est bien. Bendit soit le nom du Seigneur. Et vous allez voir que c'est très, très, très important. Et que chacun prie pour lui. C'est pour ça que je vous donne mon Jésus. Que chacun prie pour lui, pour elle, pour son couple, pour sa maison. De dire, Seigneur, montre-moi. Car on a dit, c'est Dieu qui parle au cœur. C'est le travail de Dieu, ça. C'est pas le travail du pasteur, du serviteur, non, c'est le travail de Dieu. C'est Dieu qui doit dire aux chrétiens, aux chrétiens, aux serviteurs, aux candidats, qui que ce soit. Et ça, tu dois l'enlever. Ça, tu dois l'enlever. Et dites au Seigneur, le Seigneur, aussi petite soit la feuille, il faut l'enlever, il faut l'ôter. Sinon la porte ne peut pas s'ouvrir. Tu ne pourras pas aller au-delà. Car au-delà de la porte, il y a des âmes à sauver. Il y a encore du travail à faire. Tu es arrivé jusqu'au chapitre 9, mais il ne faut pas se contenter. Il y a plus, il y a plus, il y a plus. Il y a dit au Seigneur, le Seigneur, la vie est sur toute la loi. On ne peut pas devenir pécheur que des Juifs, que des Gitans. Il faut aller plus loin que ça. Il y a dit au Seigneur, le Seigneur. J'ai entendu bien souvent des serviteurs dire les Gitans pour les Gitans, mais ça, c'est pas la Bible, ça. Jésus a dit prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Vous serez témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et il a dit, je vous ferai prêcher d'homme. Et dans le moment, c'est tous les êtres humains qui sont écrits. Mais dites au Seigneur le Seigneur. Il ne faut pas mettre des barrières à l'évangile. Il ne faut pas laisser la porte fermée. Il faut prier Dieu pour que Dieu ouvre la porte. Et que nous puissions passer la porte et aller au à l'au-delà. Dites au Seigneur, le Seigneur n'a rien de son fils de moi. Parce que écoutez bien, ne le prenez pas mal, les gens. Toutes les nations du monde, il y a 193 nations dans le monde, et toutes les nations ont reçu l'évangile, toutes sans exception. Mais toutes les nations, vous savez ce qu'elles ont fait? Nous aussi, on est meilleurs que personne. Les premiers sont les Juifs. Lorsqu'ils ont accepté l'évangile, ils ont mélangé l'évangile avec la tradition juive. Après, ça a été les Grecs. Vous voyez ça dans les Corinthiens. Et après, avec les années, avec les temps, l'Europe a écouté l'Évangile, a reçu l'Évangile, et en recevant l'Évangile, a mélangé l'Évangile. Et en mélangeant l'Évangile, on laisse la porte fermée. Mélanger l'Évangile, c'est laisser la porte fermée. Vous avez compris ça? Mélanger l'Évangile, c'est garder la petite feuille rouge. Vous avez compris? Il y a des traditions qui ne sont pas contre Dieu. Mais toute tradition qui est contre l'évangile, il faut l'écarter. Tout attachement qui est contre l'évangile, il faut l'écarter. Tout mauvais caractère qui est contre l'évangile, il faut l'écarter. Toute mauvaise opinion qui est contre l'évangile, il faut l'écarter. Vous avez compris ça? Bendit soit le nom du Seigneur. Autrement, l'évangile ne pourra pas faire son œuvre dans nos vies et à travers nos vies. Car l'évangile, jusqu'à présent, a fait son œuvre dans le cœur de Pierre, mais pas à travers Pierre. Entre juifs, vous comprenez ça? Mais maintenant, Dieu veut aller plus loin que ça. Et Dieu, avec lui, il veut aller plus loin. Et comme le temps est venu pour enlever la feuille blanche, la rose, la verte, la jaune, la rouge, et bien ce soir, le temps de Dieu est venu pour qu'on enlève une feuille. Je ne sais pas quelle est la tienne, mais il faut enlever. Il faut l'enlever. Sinon, écoutez bien,
Si Pierre, on le verra jeudi, si Pierre ne fait pas ce que Dieu lui a dit, si Pierre n'ôte pas cette feuille-là, des âmes se perdent pour Pierre. Et bien des fois, on prie pour nos enfants pour qu'ils se convertissent et on ne veut pas ôter la feuille. On veut la guérison et la feuille, on ne veut pas ôter. On veut un changement et la feuille, on ne veut pas ôter. On veut une transformation et la feuille, on ne veut pas la lever. Vous comprenez ça? Avant de prier pour un tel et pour un tel, il faut prier pour examiner sa vie et que la lumière de l'évangile et que le Saint-Esprit montre l'éternel cœur. En fait, je demande pardon à Dieu et de tout faire pour ôter de ma vie ce qui déplaît à Dieu. Et dit que c'est le nom de Dieu. Combien de fois on se dit la vérité à Israël? On se la dit la vérité. Amen. Combien ça fait que tu t'es pas mis devant Dieu pour examiner ton cœur et tu penses toute ta vie entière? Ta vie examinée, c'est-à-dire que tu fais silence total, tu ne parles pas, tu dis rien, tu fais silence, et tu demandes au Saint-Esprit qui te révèle l'état de ton cœur et qui montre à tes yeux et à ta conscience ce qui va pas en toi. Tu le fais ça ou pas? T'arrêtes pas de demander, 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 et à force de demander, tu ne vois pas l'état de ton cœur. Et bien des fois, tu ne reçois pas parce que l'état de ton cœur est déplaît à Dieu. Il est bon d'examiner sa vie par l'esprit, par la lumière de l'évangile, afin que nous puissions réaliser qu'à nous, il y a des choses qui déplaisent à Dieu. Bien-dit, au Seigneur, au Seigneur. Parce que la petite feuille rouge, pendant des années, n'a pas gêné à Pierre, mais un temps est venu où c'est devenu un obstacle. Un obstacle. Et vous allez voir qu'est-ce que c'est que la petite feuille rouge, je dis, au yeux de Dieu. Pour nous, c'est insignifiant. Pour nous, c'est pas grave. Mais au yeux de Dieu, c'est un peu. Au yeux de Dieu, c'est impur. Ça devient impur. Pendant un temps, ce n'était pas grave. Mais avec les années, avec les années, avec les années, ça prend de la place dans nos vies. Vous comprenez? La petite terre rouge ne restera jamais à la même dimension. Lorsqu'on entend la voix de l'esprit qui nous dit qu'il faut l'ôter, qu'on résiste et qu'on refuse, et qu'on attend, on attend, on attend, mais ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et un peu pour l'enlever, il faut une épreuve. Après, il faut souffrir. Après, il faut de la douleur. Alors, qu'est-ce qu'on va attendre? Qu'est-ce qu'on va attendre? Je crois tout mon cœur, Dieu t'a parlé. Pas parce que c'est moi, je le crois bien. Mais je sais que Dieu t'a parlé et que Dieu m'a parlé. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, c'était bien dit, c'était bien prêché, ça vaut rien. Ce qui vaut, c'est de dire, Dieu m'a parlé, je dois agir. J'ai écouté, j'ai compris. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a dit au début? C'est très facile à comprendre, mais très difficile à accepter. Alors, qui accepte que dans son cœur, il y a quand même au moins une feuille? En réalité, on est des dizaines ou des centaines. Mais on reconnaît qu'on a une feuille qui gêne, qui est tombée. Mais si on reconnaît qu'il y a quelque chose en nous qui gêne Dieu de venir de nos vies et que nos vies soient un moyen de bénédiction pour les autres, eh bien, Seigneur, nous devons faire quelque chose, quoi? C'est examiner, de dire Seigneur, montre-moi. Pas simplement ce soir, pas simplement le matin, mais tous les jours, de dire Seigneur, montre-moi, éclaire-moi, et dis-moi ce qui n'a pas de ma vie. Amen. La plupart des gens, les chrétiens, voient l'extérieur, avec la vie mal, sinon. C'est extérieur, c'est visible, c'est là que ça compte, c'est là que ça compte. C'est peur. Mais dites au Seigneur, le Seigneur, la vie est sortie de là-bas. C'est moi, je ne vous ai pas tout habillé. Non. Non, mais c'est la guitare. Voilà, je dis avec la grâce de Dieu, on va essayer encore de se faire du bien. Amen. On va aller un peu plus loin. Vous voulez? Amen. On va essayer de ne pas manquer. Et si vraiment le connaît venu, il a la caméra, et ainsi vous comprendrez mieux la parole de Dieu. Et que Dieu le bénisse ensemble. Il n'y a pas un meilleur que l'autre, il n'y a pas un plus grand que l'autre. Des grands ici, il n'y en a pas. Excusez-moi, des grands, il n'y en a pas. Des super, il n'y en a pas. On est tous pareils avant Dieu. On a tous un cœur avec des fins qu'il faut ôter et qu'il faut reconnaître. Alors on se met tous devant Dieu, on prie Dieu, on dit Seigneur, aide-moi, je t'en supplie. Aide-moi. Au plus tu enlèves des fins, au plus tu seras béni. Au plus tu vas prospérer, au plus tu vas grandir. Au plus ta vie va s'épanouir. Et au plus ta vie sera bénie, ton couple sera béni, ta maison sera bénie. Au plus tu pries à Dieu, au plus tu seras béni. C'est simple. Bendit au Seigneur, le Seigneur. Très facile à comprendre, mais très difficile à accepter. Acceptons la parole de Dieu. D'accord? On prie le Seigneur. Merci. Je veux demander enfin de prier. Frère, que tu puisses te plaire.